bientôt et nous parlera, prêchera avec la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Les receveurs de miracles, je dis gloire à Dieu. Ce soir, la pluie de miracles pour vous, la pluie de guérison pour vous, la pluie de salut pour vous. Ce soir, nous venons au Dieu de toutes les possibilités et dans votre vie ce soir, tout est possible dans ma vie. Où êtes-vous dans ma vie? Puisse le ciel le confirmer dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour ton amour. Merci pour ta compassion. Merci pour ta miséricorde. Il n'y a pas de distinction, de discrimination. Tout le monde ici, là-bas, tout le monde, partout, tout le monde aura la touche de ta puissance ce soir au nom de Jésus-Christ. De miracles sans précédent, de miracles jamais vus ici, là-bas, partout sur la planète. Confirme-le dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Que la pluie commence à tomber sur tout le monde et ta joie ne cessera pas dans notre vie. Donne le témoignage à tout le monde qui sera le suivant. Père, confirme-le comme ils l'ont dit, comme ils l'ont cru au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. C'est accompli. Je dis c'est accompli. Dis à votre voisin que c'est accompli pour moi. C'est accompli pour toi. Amen. Ce soir, nous sommes à la parole de Dieu et nous lisons en Job 5, verset 9. Il fait des choses grandes. Cela parle de Dieu, de ton Dieu, de ton Père au ciel, l'amant de ton âme. Celui qui fait, il continue de faire. Celui qui fait des choses grandes et insondable, des merveilles sans nombre. Il fait des choses merveilleuses, des choses majestueuses, des miracles, des choses miraculeuses. Il fait cela sans nombre. Verset 10. 10 dit, il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Verset 11. Il relève les humbles. Vous êtes là? Si vous êtes dénigré, déconsidéré, plongé dans la vallée, ce soir, c'est votre nuit de relèvement. Le Seigneur vous relèvera. Et délivre les affligés, ceux qui pleurent, ceux qui s'attristent, ceux qui s'affligent, qu'ils soient délivrés. Oh, vraiment, beaucoup de choses vous seront accordées ce soir. Job, chapitre 9, je lis verset 10. Il fait des choses grandes et insondables, des choses grandes, de grands miracles, de grandes transformations, de grands saluts et de grandes sanctifications, ce qui apporte la sainteté du cœur, la sainteté partout, à tout moment, où que nous nous trouvions. Il fait de grandes choses de pouvoir. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il nous dit encore qu'il fait des merveilles dans le cœur, des merveilles dans votre âme, des merveilles dans votre esprit, des merveilles dans votre famille, des merveilles dans votre communauté, des merveilles ici pour vous ce soir. Et sans nombre, voyons cela, quand il dit sans nombre,
votre miracle en fait partie. Pour toi aussi, pour toi, ton miracle est là. Et nous comptons. Et on perd de nombre, on dit, c'est incontable, c'est sans nombre. Tout le monde a son miracle qui s'y attache. Et votre miracle ne vous loupera pas ce jour. Il y a des possibilités incontables, des exploits innombrables. Comment cela va-t-il se passer? De quelle manière? Quels moyens? Et quel chemin cela va prendre pour nous arriver? On va à Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, celui partout, celui qui croit en moi, ici, à la radio, à la télé, en ligne, où que vous soyez, ce qu'il faut, c'est de dire que je crois et ce sera fait. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Voyez le verset 13. Et tout ce que les miracles, tout ce que le salut et tout ce que la sanctification, la sainteté et tout ce que la puissance d'en haut et tout ce que la délivrance et tout ce que les merveilles sans nombre et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le verset 14 dit: si vous demandez quelque chose, que demandez-vous ce soir, la chose-là vous sera accordée. Vous amenez votre cœur, votre requête devant le Seigneur et vous dites, je suis ici pour quelque chose ce jour. La chose-là ce soir sera faite. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Qui le fera? Il le fera pour toi, il le fera. Ce que tu n'as pas le pouvoir de le faire. Ce que toi là, tu n'as pas la force pour porter cela. Tu n'as pas de talent pour réaliser cela. Mais il dit, si seulement tu peux demander, tout le monde peut demander. Toi aussi tu peux demander, je peux demander. Si seulement tu peux demander, si vous demandez quelque chose, si tu peux demander, le Père au ciel, notre Seigneur Jésus-Christ, le Rédempteur, dit que il dit que je le ferai. Oh, je suis ravi de joie. Je suis très content de vous. Vos prières seront exaucées. Je me réjouis avec vous parce que toutes les montagnes de votre vie, toutes les montagnes se déplaceront au nom de Jésus-Christ. Je vous parle ce jour des innombrables possibilités sans nombre, incontables, les possibilités innombrables du nom de Jésus. À tout moment que vous entendez ce nom-là, les possibilités, les miracles incontables vont commencer à se produire dans votre vie. Aujourd'hui, nous venons par l'autorité en ce nom-là, l'assurance en ce nom-là, la puissance en ce nom-là. Je suis très sûr que du ciel, toutes les possibilités viendront sur vous. Tout ce que vous demandez, ce qui fait votre rêve, ce soir, c'est venu. Nous allons voir trois points. Premier point, la possession du salut transformateur en son nom. Il n'y a point d'autre nom. En ce nom, nous venons, nous demandons et le salut viendra. Je dis le salut viendra. Vous savez, ce n'est pas le salut, j'ai le salut. Et je dis, mais où est l'évidence du salut? Si le chien est là, le chien va aboyer. Et je ne dois pas dire que où est le chien?
Et par l'aboiement du chien, je sais que le chien est là, si c'est le lion va rugir. Je ne dois pas dire, mais hey, y a-t-il un lion là-bas? Par le rugissement, je sais déjà que le lion est là. Si le salut est là, il y aura la transformation là-bas. S'il n'y a pas de transformation là-bas, alors on n'a pas encore le salut là. Et aujourd'hui, vous aurez le salut transformateur, hein, la possession du salut transformateur en son nom. 2. Le pouvoir de piétiner les maladies en ce nom. Toute maladie qui était dans ton corps, où que vous soyez, partout, comme vous entendez ce nom-là, le nom de Jésus-là, toutes les maladies vont quitter de votre tête et vont aller sous la plante de vos pieds, de vos yeux. Les maladies iront sous la plante de vos pieds, de votre ventre, des intestins. Cette maladie-là doit se déplacer pour se mettre sous la plante de votre pied et vous allez piétiner cette maladie, cette infirmité dans votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir de piétiner les maladies en ce nom. 3e point, la promesse d'une solution totale. Dans votre vie, il n'y a plus de problème non résolu. Dans votre vie, il n'y a rien que je cherche, je ne peux pas le trouver. Cette nuit, il y a la solution totale, complète, absolue, entière, la promesse d'une solution totale en son nom. Je dis en son nom. Si tu peux prononcer le nom là, c'est fini. Peux-tu prononcer ce nom là? Je dis, peux-tu prononcer le nom là? Pour quiconque, pour tout le monde, pour quiconque, pour celui qui peut prononcer, mentionner le nom là, la solution est là pour vous. Ma solution est venue, est arrivée. Ma solution est arrivée. Qu'est-ce qui dérange votre cœur? Qu'est-ce qui dérange votre esprit donc? Quel est le problème insolvable là-bas? Pourquoi pleures-tu? Ce soir, le ciel apporte la solution à ce problème au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, la possession du salut transformateur en son nom. Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il faut prononcer le nom là. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'objectif pour lequel il est arrivé, lui, Jésus. Et c'est l'ange qui a dit ceci. Ceci, ce n'est pas le pasteur de cette dénomination, le prédicateur de cette assemblée, ou bien l'évêque, le surintendant de cette communauté-là qui a dit que Jésus vous sauvera. Non. C'est un ange qui est venu du ciel et qui parlait à Joseph que elle, Marie, enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est l'objectif pour lequel il est venu. Il sauvera et délivrera et il sauvera et l'affranchira de leurs péchés. Et si tu as un problème de plomberie dans ta maison, il y a l'eau qui remplit partout là-bas et les eaux sales remplissent, elles sont partout par terre là-bas. Tu as invité le plombier et le plombier est arrivé dans ta maison et le plombier est venu et puis il est reparti et toujours l'eau est là. Alors l'objectif de la visite du plombier n'est pas atteint. Si le péché comme un flot, le péché, comme une inondation, comme un océan sale qui a érodé
votre vie, votre esprit, si le péché a obstrué partout, si le péché a inondé, souillé tous les lieux avec récalcitrance, dégradation, tous les lieux sont remplis des actions démoniaques et le Sauveur est venu et le Sauveur est reparti. Tu dis que le Sauveur m'a rendu visite et les choses sont encore là. Les péchés sont encore là. Tu n'as pas cette évidence que le Sauveur t'a rendu visite. Le pourquoi le plombier est venu, c'est pour tout faire. Que les choses, l'eau là-bas, que tout est ôté, tout est nettoyé. Et qu'il n'y ait même pas une goutte d'eau sale dans ta maison après sa visite et son départ. Alors il va arranger ceci, régler ceci, mais ça met dans le tuyau, dans les lieux non visibles aux hommes. Et il écoute les choses, sert les choses et dit, madame, que tout est maintenant ok. Maintenant, Christ est plus grand que le plombier. Et quand il rentre dans votre vie, tous les péchés qui sortaient de ton cœur, de ta bouche, de tes oreilles, de tes yeux, tous les péchés qui ont submergé ton sol par les actions de tes pieds, par les actions de tes mains, celui-là qui est plus grand que le plombier est venu. Et après qu'il quitte, ces choses-là ne seront plus. Ces choses-là vont disparaître. La désobéissance va quitter. Je dis, la désobéissance, je te commande, désobéissance, quitte. Résistance à la parole de Dieu, quitte. La souillure qui rentre dans les vies parce que tu sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et Christ le Sauveur, Christ le Rédempteur, il est maintenant arrivé et toute cette souillure, tout sera nettoyé. Et les actes démoniaques, sataniques, ce qui est fait par le diable au travers du pécheur, et Christ est maintenant arrivé, le Maître est arrivé. Jésus le Sauveur est arrivé. Et toutes ces dominations démoniaques dans ta vie, je ne peux pas faire mes dés, je ne peux pas m'en sortir, Satan m'a poussé à faire, dès que Christ rentre chez toi, tout ce que Satan t'a poussé à faire, toutes ces choses diaboliques seront effacées au nom de Jésus-Christ. L'homme l'a dit que je bois, je ne sais pas comment m'arrêter. Donc je m'enivre, je suis devenu un ivrogne. Christ va te visiter. Christ va te rendre visite ce soir. Et dès que Christ te rend visite, toutes les inondations dans ta vie, que tu bois, tu t'enivres et tu vomis, tu t'enivres et tu tombes par terre, tu t'enivres et tu tombes dans le caniveau. Mais quand Christ, le Sauveur, le Rédempteur, te rend visite, il va ôter ce mauvais caractère, cette ivrognerie, un gâchis de vie et d'argent, tout sera ôté de ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Voyons Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Gloire à Dieu. Si vous êtes là, je dis gloire à Dieu. Il dit que cela va s'accomplir. Dans votre vie, cela va s'accomplir. Ce soir, cela va s'accomplir. Que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce mot sauver là, sauver est un verbe. Oui, le verbe est un mot d'action. Quand c'est dit que tu es sauvé,
tu ne demeures pas là où tu étais. Parce que si tu demeures là où tu étais, ce n'est pas le salut. Le mot, c'est un mot d'action. C'est un mot de mouvement. C'est un mot de déplacement. C'est un mot qui te prend, qui te fait ôter de quelque chose et te fait entrer dans quelque chose de meilleur. Ce soir, une meilleure vie pour vous, un meilleur caractère pour vous, un meilleur comportement pour vous, une meilleure dévotion au Seigneur, une meilleure émancipation ce soir. Et le Seigneur te délivrera et tu diras que j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Tu diras que oui, j'étais récalcitrant, mais maintenant, oui, je suis obéissant. Tu diras, oui, j'étais souillé, je souillais, mais maintenant, je suis pur. Lorsque tu es sauvé, quelque chose va se produire en meilleur. Une nouvelle vie, un nouveau comportement, un nouveau caractère, une nouvelle orientation, direction dans la vie. Et dit que, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera, dites-le-moi, je me réjouis avec vous. C'est pourquoi Christ viendra dans ta vie ce soir. Il te donnera le salut transformateur en son nom. Voyons, Actes chapitre 4, verset 12. Actes 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Ce n'est pas en ton pouvoir de générer le salut par tes efforts, en essayant de changer ta vie, en essayant de prendre une résolution. Le salut n'est pas en toi, ce n'est pas dans la résolution. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est Christ qui doit venir dans ton cœur et il va s'asseoir sur le trône de ton cœur, va pardonner le péché du passé, t'affranchir du joug du péché et maintenant tu seras sauvé. Je suis sauvé. Voyons. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je serai sauvé. Vous savez, les gens disent que c'est dans les mains de Dieu si je serai sauvé ou pas. Oui, c'est au-delà de cela. Oui, que c'est le destin. Si je serai sauvé ou pas, oui, que c'est mon destin. D'accord. Que c'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui détermine si je serai sauvé ou pas. C'est ça? Déjà, Dieu a dit que tu seras sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit au nom de ce Fils bien-aimé unique ne périra pas. Je ne périrai pas. Je l'ai dit de ma propre bouche. Je dis moi-même, je ne périrai pas. Vous n'allez pas périr. Mais quiconque là aura la vie éternelle. Ouais, il dit que si tu confesses de ta bouche, faut pas dire c'est le destin. Non, toi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, la Seigneurie de Jésus, tu ouvres ta bouche, tu dis, et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, toi, dans cette vie, jusqu'à ce que tu le vois face à face, tu seras sauvé. Vois le verset 10. Car c'est en croyant du cœur
qu'on parle, c'est un croyant du cœur. Faut pas laisser cela à Dieu. C'est toi, c'est dans ton cœur, c'est ton cœur. C'est car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous êtes là? Votre salut est ici ce soir. Et comme vous croyez dans votre cœur et que vous confessez de votre bouche, le salut qui transforme la vie, pas un simple salut, pas un salut important, faible, qui ne fait aucune différence dans le caractère, dans le comportement de l'homme, de la femme, tu seras sauvé. Tu auras le salut transformateur. Voilà le verset 13. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera, quoi, dites-le-moi, sera sauvé. Vous l'avez ce soir. Voyons le deuxième point. Nous allons voir le pouvoir de piétiner les maladies en ce nom. Le pouvoir qui te fait piétiner, qui te fait piétiner toutes les maladies ce soir. Ce soir, la maladie-là ne va pas demeurer dans ton corps. C'est sous mes pieds. Sous mes pieds. Sous mes pieds, là. La chose là qui menace de te tuer, la chose là qui menace de t'ôter la vie, dès que c'est sous ton pied et tu piétines la chose là, tu dis, voici, là où tu appartiens, sous la planche de mes pieds, et la chose là ne va plus te déranger au nom de Jésus-Christ. Acte 3, verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'elle demandât l'aumône, parce qu'il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait rien faire pour avoir un revenu. Il était paralysé depuis le ventre de sa mère, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Faut pas détourner ton regard, ne regarde pas devant, ne regarde pas à gauche, à droite, ni derrière toi. Quelque chose est sur le point de t'arriver. L'infimité avec laquelle tu es né, quelque chose va t'arriver. La chose-là va disparaître. La maladie-là, qu'on dit que c'est incurable, on doit te porter et tu parais faible, sans aide. Quelque chose de grand, quelque chose de miraculeux va se produire dans ta vie ce soir. Et le verset 5 dit, et il les regardait attentivement. Et il a fixé, il a braqué ses regards, ses yeux sur eux. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Il ne savait pas ce qu'il allait lui offrir, mais il savait qu'il allait recevoir quelque chose. Parce que l'apôtre a dit, le prédicateur a dit, regarde-nous. Et puis, il les regardait attendant. Y a-t-il quelque chose y a-t-il quelqu'un ici qui espère quelque chose? Ce que tu espères, tu auras plus que ce que tu espères. L'homme là espérait recevoir l'aumône, mais le nom de Christ lui a donné les pieds, les jambes, la force. Il espérait recevoir l'argent, mais le nom de Jésus lui a donné le miracle. Que quelqu'un crie là-bas, miracle! Et le miracle est plus grand que l'argent. Si Pierre lui avait donné de l'argent, il va finir dépenser l'argent là et revenir à celui encore paralysé, faible, misérable, mais il a reçu quelque chose de plus grand que ce qu'il demandait.
le Seigneur te donnera quelque chose de plus grand que ce que tu demandais. La vision pour les aveugles. De bons pieds pour les paralytiques. Une bonne santé pour ceux qui sont un malade cancéreux. Parce que ce soir, le Seigneur va te donner au-delà de ce que tu demandes. Regardez l'homme là. Je vais lire ce verset encore. Mais regardez l'homme là. Il était maintenant guéri. Il s'est levé. Il a jeté l'assiette de l'aumône et dit, maintenant, j'ai maintenant les bras, j'ai les mains, j'ai les pieds maintenant, j'ai les jambes, j'ai maintenant les yeux maintenant. Et alors, peut-être, il a commencé à faire l'agriculture et il a reçu plus d'argent que ce que Pierre peut lui donner. Parce que maintenant, peut-être, il a maintenant un boulot, ou bien peut-être, il est devenu un menuisier, parce que tout son corps est en bon état, est en état entier. Où est la personne? Ton corps est en état entier. Tout ton organisme est complet, est au complet. Et l'homme là peut aller travailler, avoir de l'argent plus que ce qu'on peut lui donner. Comme vous serez guéri ce soir, comme vous serez délivré ce soir, tout ce qui a nui à votre vie, tout ce qui vous a rabaissé, vous êtes là dans la vallée, toutes ces choses-là sont ôtées ce soir. Et il les regardait, attendant recevoir quelque chose. Et le verset 6 dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Jamais personne lui a parlé de cette manière. Si la personne n'a pas, s'il demande or, où est l'argent, les gens ne donnent pas tout ce qu'ils ont. Ils donnent une fraction de ce qu'ils ont. Et alors, temporairement, ils se réjouissent pour aller acheter du pain. Et l'argent, c'est seulement acheter du pain. Et après cela, il revient pauvre. Il possède et il dépense. Alors, il revient pauvre et là, il n'en a pas. Mais ce que vous aurez ce soir va continuer de pleuvoir des bénédictions sur votre vie. Et Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de quel nom? Dites-moi le nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le verset 7 dit, et le prenant par la main droite, l'homme là n'a pas compris. Lève-toi et marche. Vous voyez, il avait plus de 40 ans. Il n'avait jamais marché dans sa vie. Donc, il ne pouvait pas comprendre cet ordre de se lever. Donc, Pierre l'a aidé, lui a donné la main. Pierre a parlé, il l'a saisi, il l'a tenu, il l'a fait lever. Et pour ceux qui ont l'hémiplégie, ou la fracture, ou la paralysie, quel que soit le mal, ils n'ont jamais fait cela pour un long moment. Alors, moi, je parle ici et je dis, j'envoie la guérison à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Et puis, le paralytique est là. Et regarde ici et là, et dit que Jésus a dit, Jésus a parlé au travers du prédicateur, que lève-toi et marche. C'est le conseiller là-bas, c'est le partenaire là-bas, mon partenaire de progrès, mon partenaire dans le service, mon partenaire de démonstration de miracles, qui va sinon étendre sa main. Je ne peux pas aller à tout le monde, à la radio, à la télé. Je ne peux pas aller à celui-là, c'est mari et femme qui sont quelque part. Je ne peux pas aller partout et toucher quelqu'un. C'est la personne proche de la personne là qui, parce que vos mains là-bas sont déjà ointes. Alors, comme l'ordre quitte ici, alors vous allez tenir la personne et doucement
vous soulevez la personne et la puissance, le pouvoir, la force va rentrer dans leur corps. Aujourd'hui, cette nuit, là-bas, la puissance est venue. La guérison est venue. Chez vous là-bas, la délivrance est venue. Et Pierre, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et le verset 8. Et d'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui marche, qui saute et loue Dieu? Y a-t-il quelqu'un là-bas qui voit, qui marche et qui loue Dieu? Ses yeux aveugles s'ouvriront. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui a un fardeau du diable dans ton ventre, dans ton corps, l'herpès, le fibrome, le cancer, la tumeur, comme je mentionne le nom de Jésus, s'il n'y a pas de main qui peut te toucher là-bas, ton mari n'est pas là, quelqu'un n'a pas là-bas, touche-toi toi-même comme tu te touches et nous disons le dernier amen, tu ouvres les yeux et voilà, tu seras affranchi, tu vas marcher, tu vas louer Dieu. Y a-t-il une oppression démoniaque dans le cerveau? La main est déjà imposée à la tête. Je mentionne le nom. Je dis, au nom de Jésus, démon, plie tes bagages et quitte! Aussitôt, comme nous disons le dernier amen, il est affranchi. Il regarde à gauche, à droite, il se lève, il marche comme ça, il se déplace. Il dit, est-ce que tu savais ce que j'étais? Je suis maintenant affranchi, je suis libre, je marche et je loue Dieu. La maladie va quitter ce jour. Cette infirmité-là va quitter ce jour. Et puis il nous dit, au verset 9 dit, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Tout le monde te verra marcher, sauter et louer Dieu. Tout le monde te reconnaîtra. Quand elle était aveugle, on peut te voir maintenant. Et on te verra marcher, sauter, louer Dieu. Tout ce qui a été écrit sur toi, que ce diagnostic, qu'il y a l'hémorroïde, il y a l'hypertension, il y a le VIH, et il y a la paralysie, il y a ceci et là qui est incurable ce soir. Comme je mentionnerai le nom de Jésus, tout ce diagnostic sera effacé. Et tu vas te lever en marchant, en louant Dieu. On dira que tu as le miracle, qui est la personne? Tu as le miracle? Je dis, où est la personne? Viens ici, viens à ce côté et viens donner le témoignage et je vais te voir te lever et te mettre en rang. Je vais me lever, regarder le visage des gens. Je dis, mais pourquoi tu souris? Pourquoi tu te réjouis? Je dis, prédicateur, je l'ai obtenu. La maladie là est maintenant sous mes pieds. Gloire à Dieu, ce soir, cette nuit, vous avez un témoignage. Je viens au troisième point ici. La promesse d'une solution totale en son nom. La promesse d'une solution totale en son nom. La solution est arrivée pour vous. Jean chapitre 15. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Merveilleux. Dieu vous a choisi. Christ vous a choisi. Vous n'allez pas quitter le rang. Comme Christ vient, il va vouloir vous toucher que je t'ai choisi. J'ai ramené le miracle de Dieu, le salut du ciel, la délivrance du ciel
moi, je t'ai choisi. Peut-être tu es assis là-bas, ou bien tu es debout, et tu te demandes, est-ce que je dois le faire? Mais tu dois le faire parce qu'il a dit que je t'ai choisi. Et que je t'ai choisi. C'est moi qui t'ai ordonné. Il t'a amené ici ce soir pour te donner le miracle du ciel. Afin que vous alliez, que tu ailles, que vous allez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Et votre fruit demeure. C'est pourquoi il t'a choisi et que sa main est sur toi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père, ce que vous demanderez au Père en mon nom, que j'ai un problème, je veux la solution, c'est fait. J'ai quelque chose que je ne comprends pas, qui circule dans mon corps, je veux que la chose enlève, cela me gêne, c'est fait. J'ai ce défi dans ma famille, ma femme, mon mari, mon enfant, ma fille, mon fils, et cela apporte l'angoisse dans mon cœur, c'est fait. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. Philippiens chapitre 2, Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom au-dessus du nom de votre maladie, de votre problème, de votre infirmité. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Votre langue confessera ce soir que Jésus est Seigneur sur ton âme. Jésus est Seigneur pour ton salut. Jésus est Seigneur contre toute maladie, toute infirmité dans ton corps. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur contre tous les problèmes, les défis que vous avez. Jésus est Seigneur. Dans votre vie ce soir, Jésus est Seigneur. Où êtes-vous dans votre vie ce soir? Jésus est Seigneur. Et il est venu pour que vous sachiez, que tu saches que ce nom-là lui a été donné. Et ce nom-là fera ce que aucun pouvoir ne peut faire dans ce monde. Le nom-là apportera le salut qui te transformera. Le nom-là apportera le piétinement des maladies sous tes pieds. Et le nom-là va apporter la solution absolue à ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout le monde là-bas, tout le monde ici, tout le monde sur la planète, la solution est maintenant arrivée pour vous. Les têtes baissées, les yeux fermés. Ce soir ne vous ratera pas. Vous n'allez pas rater votre miracle ce soir au nom de Jésus-Christ. Tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur a le salut pour vous parce que l'ange a dit que tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il veut te sauver, te pardonner, t'affranchir et te donner le pouvoir et la grâce d'aller et vivre, mener une vie transformée, le salut transformateur. Tu veux ce salut-là qui apporte la joie, la victoire sur notre vie, dans notre vie. Tu es là, tu veux ce salut maintenant et il va pardonner tes péchés et t'affranchir. Où que tu te trouves, lève la main. Le salut-là
te sera donné ce soir. Tu auras le salut ce jour. Il va transformer ta vie. Ne t'en fais pas. Que je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas mener une bonne vie. Je ne peux pas laisser l'ivrognerie. Je ne peux pas abandonner la récalcitrance, la désobéissance, les choses que les démons ont mises dans ma vie. Je ne peux pas abandonner ces choses-là. Ne t'en fais pas. C'est Jésus qui va t'affranchir. Où que tu te trouves, lève la main pour dire, Seigneur, je veux ton salut. Si tu lèves la main, Dieu te bénisse. Lève là-bas et dis, Seigneur, je veux ce salut transformateur. Je veux le salut là qui va changer ma vie et transformer ma vie et apporter la justice au lieu de l'injustice et amener la grâce au lieu de la culpabilité. Parle au Seigneur, comme tu te tiens debout, il faut dire Seigneur, je crois. Parce que si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est maintenant ton Seigneur, tu seras sauvé. Lève la main là et tiens-toi debout là-bas. Tiens-toi debout pour Jésus. Il t'apporte le salut maintenant. Où que vous soyez en ligne, voici le moment d'avoir le salut transformateur. Que ce soit à la radio, à la télé, levez-vous, levez la main. Le Seigneur peut te voir là-bas et tu auras le salut transformateur. Je prie pour vous maintenant. Êtes-vous prêts pour la prière? Je dis, êtes-vous prêts pour la prière? Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour l'objectif de l'avènement de Christ. C'est pour ôter le pouvoir du péché et briser ce joug du péché dans nos vies et effacer tout, purifier tout, ôter l'effet et le pouvoir du péché de notre vie. Seigneur, c'est pourquoi tu es venu. Et ces gens ont indiqué qu'ils veulent ton salut transformateur. Donne-le-leur maintenant. Pardonne tous leurs péchés au nom de Jésus-Christ. Affranchis-les de cette servitude du péché au nom de Jésus-Christ. Aide tout le monde, aide chacun d'eux à avoir la grâce pour une nouvelle vie. Je prie que l'Esprit de Dieu rende témoignage selon la parole de Dieu, qu'ils se sont détournés du péché, ils ont invoqué le nom du Seigneur, et la parole de Dieu s'accomplit dans leur vie. Ils sont maintenant sauvés. Je suis sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je suis sauvé. Ce nom-là, à cause de Christ le Sauveur, parce que tu l'as invité, il t'a sauvé. Seigneur, confirme-le dans chaque cœur depuis le ciel au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Toujours debout, nos conseillers, ils vont vous donner une fiche à remplir. On se réjouit avec toi parce que tu es sauvé. Après, nous viendrons piétiner toutes les maladies sous nos pieds. Amen. Vous êtes sauvé, vous êtes délivré, vous êtes une personne très importante ici. Toujours debout, jusqu'à ce que un conseiller vous aborde et vous donne une fiche à remplir. Vous êtes chez vous, faites envoyer vos coordonnées. Soyez patient. Ceux qui sont en ligne, vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. De grâce,
Il y a un lien là-bas qui est globalcrusade8kumuyi.com. globalcrusade8kumuyi.com. globalcrusade8kumuyi.com/CYCY/. Vous êtes à la télé, vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes un VIP, une personne très importante. Envoyez votre nom, le téléphone, votre adresse par votre SMS ou bien WhatsApp. Voici le numéro +234 91 54 44 92 63. +234 91 54 44 92 63. Envoyez toutes vos coordonnées à ce numéro. Vous êtes heureux de faire partie des citoyens du royaume. Où que vous soyez, faites diligence pour remplir la fiche là. Partout où vous trouvez, vous avez donné votre vie au Seigneur, faites tout possible d'envoyer vos coordonnées à ce numéro. Conseiller, faites tout pour prendre les coordonnées des nouveaux convertis. Vous qui avez donné votre vieux Seigneur, identifiez-vous jusqu'à ce que vous soyez abordé par un conseiller et que vos coordonnées soient prises avant de vous asseoir. Il y a aussi un banquet avec Jésus. C'est un programme pour tous les nouveaux convertis qui sont sur le champ de la croisade demain. Il y aura un rallye des convertis. Un banquet spécial pour tous ceux qui sont en ligne, qui ont donné leur vie. Ils auront plus d'infos après. Le surintendant serait très ravi de vous voir faire partie de ce banquet. Conseillers sont toujours à l'œuvre. L'heure est à la prière pour ceux qui espèrent le miracle ce soir. L'heure est à la prière. Préparez-vous en attendant les miracles que le Seigneur donnera. En attendant
L'homme de Dieu nous a dit qu'il y aura la pluie de miracles. Commencez à prier le Seigneur, parce que l'homme de Dieu viendra prier et la pluie de miracles sera votre portion. Ce soir, vous allez prendre part à cette bénédiction. Vous allez obtenir de grands miracles ce soir. Toujours l'heure est à la prière. L'homme de Dieu montera bientôt. Préparons-nous. Le ciel s'intéresse que vos problèmes soit réglé aujourd'hui. Il y a la joie aussi au ciel pour tous ceux qui donnent leur vie au Seigneur. Vous devez donner toutes vos coordonnées afin que l'organisateur du programme puisse vous aider après ce programme. Vos infos doivent être documentées, ayant tout correct et exact. Bientôt, l'homme de Dieu montera. Tous ceux qui espèrent le miracle ce soir, prient, cherchent la face de Dieu et qu'ils présentent leurs soucis au Seigneur. Et dès que l'homme de Dieu viendra, priez pour nous, il y aura la pluie de bénédictions. Nous sommes plus proches des miracles ce soir. Bientôt, la pluie va commencer. La pluie de miracles. Présente ton cas au Seigneur. Présente ton cas au Seigneur. Bientôt, la pluie de bénédiction va tomber. L'homme de Dieu viendra bientôt. Bientôt, il montera ici. Il va prier pour nous. Et Dieu nous accordera au-delà de notre attente. Cela vaut la peine de prier le Seigneur. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur.
Que le Seigneur vous bénisse, vous qui priez le Seigneur. Bientôt, l'homme de Dieu montera sur le plateau pour faire répandre la pluie de bénédiction. Tenons-nous debout pour recevoir l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Rappelez-vous, le Dieu de toutes les possibilités fait des merveilles sans nombre, de grandes choses, de puissantes choses. Il donne les solutions à tout problème et toute maladie viendra sous vos pieds en ce temps-ci au nom de Jésus-Christ. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri, sera délivré, sera affranchi. Qui est la personne là-bas? Tout ce qu'il vous faut, c'est de lever la main et croire. De tout ton cœur, tu crois. Par ta bouche, tu fais la confession que chaque maladie, chaque infirmité est maintenant sous mon pied. Et aujourd'hui, cela va s'accomplir. Pour les yeux aveugles qui vont s'ouvrir, cela va s'accomplir. Pour les paralytiques, ils vont se lever là, cela va s'accomplir pour moi. Pour que cette maladie incurable disparaisse de ma vie, il en sera ainsi. Pour toi, pour que tu te lèves, pour marcher et louer Dieu, il en sera ainsi pour toi. Où est la personne là-bas? Lorsque tu auras entendu le dernier Amen, le miracle là viendra du ciel pour toi. Tu lèves la main pour ta délivrance, pour ta libération, pour ton miracle, et que ce pouvoir démoniaque, que ce démon quitte ton cerveau et que cela se mette sous ton pied. Lève une main et impose l'autre main là où tu as le défi. Faut pas faire de toi un spectateur, mais que ton miracle t'atteigne là où tu es. Ce soir, le Seigneur va mettre le témoignage dans ta bouche. Le ciel est prêt pour toi maintenant. Lève la main maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui ne peut jamais échouer. Tes promesses sont infaillibles. Ta puissance ne peut jamais échouer. Et tes accomplissements dans chaque vie ne peuvent jamais échouer au nom de Jésus-Christ. Nous venons au nom du nom qui triomphe de tout problème, le nom qui guérit toutes les maladies, le nom qui chasse chaque manifestation démoniaque et affliction. Je commande que ce démon-là, que ce pouvoir maléfique-là, cette personnalité démoniaque là-bas, sort de là au nom de Jésus-Christ. Je prie que la folie là, je prie que ces problèmes mentaux quittent ta vie, sortent de ton corps, sortent de ta pensée, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que toute maladie rebelle, toute maladie récalcitrante, toute maladie incurable qui est là toutes ces années, tu as jeûné, prié, tu as roulé par terre, tu as pleuré, tu as tout fait. Tu es allé en haut, en bas, tu as tout fait. Cependant, il n'y a pas de solution. Je décrète que ce soir, c'est la nuit de solution. Seigneur, tu as dit que si je le dis, que ce sera fait. Je le dis maintenant. Seigneur, révèle ton miracle au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir de maladie, tout pouvoir de cette infirmité incurable dans ton corps. Je détruis tout maintenant, tout de ta vie au nom de Jésus-Christ. La guérison pour toi, la délivrance pour toi,
la domination pour toi. La puissance du Seigneur, que cela descende sur ta vie maintenant. Et quel que soit ce que tu demandes maintenant, reçois au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que maintenant que toutes les maladies, quel que soit le nom de la maladie, toute maladie, que cela quitte, sorte de ce corps-là et que cela vienne sous tes pieds et que tu piétines toute maladie, toute infirmité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste ta puissance, manifeste ton accomplissement, manifeste le miracle, cette distribution de miracles partout au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, parce que c'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Examinez-vous maintenant. Le Seigneur l'a fait pour vous. Ce n'est pas l'heure de commencer à prier, à pleurer. Ce n'est pas l'heure de verser des larmes. C'est l'heure. Si quelqu'un est paralysé là-bas, les conseillers, les surveillants, aider la personne et la personne va marcher. Si quelqu'un là-bas est aveugle, examinez la personne. Là, la personne verra. Y a-t-il un sourd-muet là-bas? La puissante main de Dieu s'est manifestée. La personne peut entendre parler, quel que soit ce que vous n'étiez pas en mesure de faire. Y a-t-il une douleur là-bas? Les choses que vous avez amenées, ces choses ne sont plus là. Je suis guéri. Je suis guéri. Vous avez un témoignage. Amen.